CLB, je te propose un défi. Tu vas devoir construire un pixel art pour célébrer la nouvelle formule du défi Minecraft en moins de 10 minutes. Bonjour les Minecraftiens, ici CLB35 pour un nouveau défi Minecraft. Donc aujourd'hui, lancement de la nouvelle formule tant attendue ou pas, je sais pas, j'ai pas eu de retour, mais je suppose que les fans du défi Minecraft l'attendaient avec impatience, car ça fait 3 longues semaines que je n'ai pas posté de défi. Et bien le défi Minecraft est de retour sur une map toute neuve, donc un super flat, parce que c'est plus propre, et avec le totem que j'ai copié via MCEdit bien sûr. Je vous présente rapidement cette nouvelle formule avant qu'on passe au défi. Bon, je vais arrêter de bouger dans tous les sens parce que je sais que je faisais ça à tous les premiers épisodes de défi Minecraft et que c'était saoulant pour moi et les viewers. Donc sur ces défis, donc ce sera essentiellement des défis de construction en temps limité, et plus des défis au temps illimité mais au nombre de morts. Donc les défis seront beaucoup moins dangereux mortellement, donc ça sera moins épique au niveau des combats. Mais vous inquiétez pas, parce qu'un défi sur 3, normalement, si les gens sont là, parce que c'est un communique via Skype, donc c'est pas forcément simple. Si les gens sont là, un défi sur 3 sera un défi PVP. Sur une map que j'aurais choisi ou que les viewers auront choisi, car je vous rappelle, hein, c'est à vous et à vous seul de choisir les défis. D'ailleurs, vous avez vu la nouvelle intro, je le montre au début. Hein. Et donc, voilà, donc aujourd'hui défi construction pour relancer ça. Donc comme vous venez de l'entendre, CLB, un gars que je connais pas, qui est moi-même, m'a proposé de construire un pixel art à l'occasion de la nouvelle formule. Donc je vais aller trouver une idée, et après on va lancer le défi, bien sûr. Et donc, sur ce, que le défi commence. C'est parti, donc les défis se feront en créatif, pas flyer par contre, ça je veux pas, c'est juste pour une question de ressources. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'était théoriquement c'est bon. Hop, donc finalement ce gâteau je le fais en 3D et plein pour ajouter un peu de challenge, parce que les pixel art, je voulais faire ça au début, mais bon, les pixel art, voilà, soit t'as un plan dans ta tête et dans ce cas c'est très simple et très rapide, soit t'as pas de plan et dans ces cas c'est complètement impossible. J'ai donc décidé de faire une forme en 3D prédéfinie, mais qui sera du coup plus longue à faire. Je vous rappelle que j'ai 10 minutes quand même. Bon, je vais faire un gâteau à la Minecraft, mais assez monumental. Bon, les défis, par contre, si jamais... j'ai pas de chronomètre là au moment où je tourne, vous le voyez en bas. Si jamais je dépasse mon temps, vous saurez de toute façon, vu que la vidéo va se figer, se mettre en rouge, et une voix dira « Défi échoué ». Ah non, ça par contre, ça fait pas partie du contrat, sans blague. Donc, hop, donc je vous montre un petit peu le modèle. Hein. Donc, vous avez le temps de voir, je crois. C'est les gâteaux à la Minecraft. Hein, les gâteaux à la Minecraft, c'est de la chair marron en chocolat avec de la crème blanche et des petites cerises qui seront symbolisées par des blocs rouges. Et comme c'est un peu l'anniversaire du défi Minecraft aussi, parce que pour relancer cette série justement c'est le 20e défi, ce défi est le numéro 20 sur la playlist, de toute façon vous le verrez bien. La miniature par contre je sais pas du tout ce que je vais mettre, vu que j'ai un VFX qui m'a demandé justement de... à qui j'ai demandé justement de me faire une nouvelle intro, il a accepté, c'est un VFX gratuit qui fait des choses vachement sympas, donc je lui ai demandé. Vu qu'il est vachement occupé en ce moment, il n'a pas pu me fournir la nouvelle intro du défi Minecraft pour le moment. D'ailleurs elle s'affiche un petit dixième de seconde, le texte qui explique ça, si vous avez réussi à cliquer je vous dis GG. 2 dixièmes, je me souviens.
Donc 4 blocs de hauteur pour ça. Après on va commencer à faire une mouchure. Je vais faire un gâteau assez épais. Hein. Quand vous voyez ça qui a vraiment la texture complète de comment dire de chocolat. Vraiment, ça avec ce pack de texture, ça donne vraiment l'impression que c'est du chocolat. Du chocolat 65% je pense d'ailleurs vu la couleur. Vous voyez l'expert. Hein. Vous ne vous inquiétez pas, j'en abuse pas. Quand vous voyez ça, ça doit vous donner faim. Et vu qu'on aura un gâteau à la fin, ne vous inquiétez pas, vous avez des cookies gratuits si vous lisez la description. D'ailleurs, au bout d'un moment, à un moment où vous faites un événement spécial genre un nombre d'abonnés, je pense que je remercierai tous les gens qui ont cliqué pour lire la description. Je leur donnerai des cookies gratuits, comme ce que je promettais à chaque fois. C'était du fake, évidemment, c'était pour vous inciter à lire la description qui, je vous rappelle, est toujours importante. Hein. Bon, au niveau du contenu, ça va être assez monotone, là. Je sais bien. Hop. Mais, faut passer par là. Et l'Arduino Clay est vachement blanche avec mon pack de textures. J'ai jamais posé de Arduino Clay blanche avec ce pack de textures, donc... là, je commence à faire un petit peu les mouchetures. J'espère que ça va pas être un échec pour cette reprise de défi, hein, ce serait quand même vachement dommage. Bon, ce défi, c'est un défi anniversaire, donc gâteau. c'est CLB qui m'a proposé ça. CLB, c'est moi, je vous rappelle, pour les nouveaux abonnés qui n'auraient pas tout compris. Oui, je m'appelle CLB, d'ailleurs mon skin c'est ça, mais vous l'avez vu tout à l'heure, du moins j'espère. Regardez, c'est beau hein. C'est un ancien membre qui me l'a fait, je sais pas si j'ai le droit de citer son nom, mais de toute façon c'est mon équipier dans le Kill the Minecraft Cat spécial 50 abonnés. D'ailleurs, c'est une chaîne la Minecraft Cat Team, mais c'est des vidéos personnelles à moi, CLB. D'ailleurs, je ne sais pas si je posterai sur ma chaîne secondaire et les displayer... sur la chaîne de la MCK Team que je gère d'ailleurs. Je verrai comment je m'organiserai, mais bon, vous inquiétez pas, de toute façon pour vous ça ne changera absolument rien. Hop. Alors on va voir comment ça rend. Oh oui, ça rend bien. Ça rend vachement bien. J'aime. RT. Je me suis fait griller chez Facebook. Bon, c'est pas grave. Si vous faites partie des 5 millions d'abonnés de Cyprien, vous avez compris cette blague. Nul d'ailleurs. Donc sinon, je vous rappelle que c'est vous qui proposez les défis, donc dès maintenant, proposez des défis en commentaire. Je vous rappelle que je fais des défis avec des limites de temps et sans risque de mort, ou bien alors si jamais il y a des risques de mort, je recommence de toute façon. Je peux aller dans tous les environnements de Minecraft, je peux tout customiser depuis la toute dernière snapshot sortie il y a quelques jours, c'est merveilleux, qui permet de customiser les mondes. Par contre, ne demandez pas impossible, j'ai pas un PC de malade, sinon je vous redirige vers la vidéo d'Hypierre qui explique ça très bien sur la snapshot. Hein. Donc proposez-moi des défis dans n'importe quel environnement minecraftien et de préférence dans le monde originel du défi Minecraft hein, qui est celui-là désormais. Bon, ça c'est ce qu'on appelle désorganiser une construction. Bon, les constructions, ça c'est un truc vite fonce, mais donc oui, c'est de l'arnaque, c'est pas un pixel art, mais je vous ai expliqué en début de vidéo pourquoi. Sinon, donnez vos avis aussi sur la nouvelle intro. Enfin, le fondu avec écrit en bleu, le défi Minecraft. N'oubliez pas que c'est temporaire, on aura une intro. Bien sûr, autrement plus stylée, promise par le VFX dont je vous ai déjà parlé. Oui, visuellement c'est pas très intéressant, mais je dis des choses assez intéressantes en audio, donc n'hésitez pas à... Et j'avais dit que je flyais pas, c'est quoi cette arnaque? Donc là c'est vraiment de la rapidité de la prise en main de la construction de Minecraft. Être rapide, c'est bon pour la santé. J'espère que je filme pas dans le vide et que les 10 minutes sont pas écoulées. J'ai quasiment fini. Hop. Hop. Où est-ce qu'il en manque là? Il n'en a pas.
Hop. Et 4, 5, 6. Oups. Oh là là, je perds du temps, c'est pas bien, je ne ferai aucune triche, aucun autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. douze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Car c'est le 20e défi Minecraft. Et donc, si ça se trouve, défi réussi. Si jamais je n'ai pas dépassé les 10 minutes, enfin si vous voyez ça, c'est que je ne les ai pas dépassés. Donc, défi réussi. C'est confirmé, défi réussi. Il y a de l'allure votre gâteau. Hein. Et donc... je vais vous expliquer un petit peu le système de tapis du totem. Alors, il y a des tapis bleus ici qu'il n'y avait pas avant. En fait, c'est pour symboliser quel type de défi c'est. Donc, les défis bleus, c'est les défis ancienne formule, c'est-à-dire qui comptent les nombres de morts. Les défis rouges, ça va être les défis... ça va être les défis construction. Et les défis jaunes, ça va être les défis... Les défis PVP en multijoueur. Donc, je mets à jour le totem. Hop. Et voilà. Donc, merci d'avoir visionné ce défi Minecraft et je vous donne rendez-vous au prochain. Donc, sur ce beau coucher de soleil, je vous dis au revoir, c'était CLB et n'oubliez pas vos idées de défis.